Ah. En joueur 1. Moi je vais jouer comme ça, clavier souris du coup. Parce que vous allez comprendre pourquoi. Normalement je vais me mettre, mais là, sur ce jeu-là, je pense que c'est mieux clavier souris. Quel est ton plat ou aliment préféré? Alors. Très bonne question, effectivement. Qu'est-ce que j'aime manger par-dessus tout? Qu'est-ce que ça pourrait être? On va mettre un chorizo, I guess. Hollywood. Avec deux T ou pas? Je pense, hein. Je sais pas. C'est un mot que j'ai inventé de toute façon. Comment devrait-on te parler? Ok. Ça, c'est normal. On devrait te parler au masculin. Effectivement. Le pinceau magique. Chacun de ses coups remplit notre monde de couleurs. Bien entendu, quelqu'un doit le manier. Le pinceau s'est transmis de génération en génération. Mais la toute dernière peintre, Chicorée, elle est tellement géniale! Quel talent! Grâce à elle, notre monde n'a jamais été aussi magnifique. Et c'est pour ça que je dois garder sa tour bien au propre. Alors le... C'est un banger, hein, on est d'accord, mais c'est très fort. C'est super fort, non? Putain. Moi ça va localement. Là ça va, je pense. Attends, je compare par rapport à ma voix. Tu vois, c'est pas si... Ouais, on va baisser encore. C'est mieux. Donc tu peux dessiner normalement, essaie de trouver comment tu fais. Oh, je peux pas dessiner avec une manette, j'ai pas d'analogie. Oh merde. Tu n'as pas d'analogique? Bah écoute, pour cette fois, ça faudra faire avec, I guess. Il s'est passé quoi? On peut pas donner... Je sais pas, il y a un truc qui s'est passé. Mais on est en train de nettoyer. Laissez-nous nettoyer. Ah, la musique, elle est trop bien. Oh non! Toutes les couleurs de Chicorée! J'ai dû nettoyer trop fort! Faut que j'aille la prévenir tout de suite. L'analogie qu'a chier avec la diagonale. T'as une diagonale quand même, hein? Oui, c'est normal, c'est quand tu fais O. C'est comme sur clavier, c'est quand tu fais O plus gauche, ça fait la même chose. Ouais, c'est mieux que rien, I guess. Mais bon. Piou! Ça faisait plaisir à voir. Et toi, t'as pas le... Tu peux pas le contrôler, le perso, je suppose. Ça m'étonnerait. Non. Tour des peintres! Bizarre, il n'y avait pas de couleur ici avant? Ah oui, ce portrait! C'est Amande, pionnière parmi les peintres. Une des premières à avoir exprimé sa personnalité à travers ses couleurs. Après, les styles des peintres sont devenus Antoine, beaucoup il est plus variés. uniquement là pour faire chier. Bah ouais, t'es juste là pour emmerder le monde. Faut respecter le patrimoine qu'elle nous a laissé. Celui-ci. Je crois que c'est Carotte. Il était pas mal. À avoir un style très expérimental. Même à l'époque, je crois qu'il n'était pas très apprécié. Mais je sais qu'il lui reste encore quelques fans. Attends, il y en a combien au secours? On va tous les faire, bien sûr. Oh, elle, c'est Dacquoise. Elle était haute en couleur et courageuse comme Chicorée. Si elle était encore parmi nous, elle dirait sûrement « Ne t'inquiète pas, Chorizotto. » Mon personnage s'appelle Chorizotto. Ce n'est pas grave si toutes les couleurs ont disparu sans raison. Je me suis fait tellement bait. Je devrais arrêter de me tourner les pouces. Chicorée doit savoir ce qui se passe. Oh! Mais non, merde, je voulais tout lire, moi.
Oh, mais on a tellement. Et lui, il est incroyable. Celui-là, il est incroyable. Celui-là, il est incroyable. Ah oui, effectivement. Oui, le louche, on fait moins de bruit. Qu'est-ce qu'il fait donc là, Madame Chicorée? Je suis certain qu'elle est là. Mais elle a laissé son pinceau ici par terre. Tout le monde doit être en train de paniquer. Et si j'utilisais le pinceau, tout comme elle, un coup de main devrait lui faire plaisir. Peut-être juste pour quelques instants. Est-ce que tu peux choisir ou pas? You have no power. Ramasser le pinceau. Oui. On a du bleu maintenant. Oui. Une tub. Non, je... C'est fermé à clé. J'espère qu'elle va bien. Heureusement, je suis là pour l'aider. Ah, c'est ça, bruit liquide. Enfin, c'est ce que c'est les bruits que ça fait quand tu peins. Envie de pisser. Envie de pisser constamment dans le jeu. Collation. Regarde la trajectoire de mon pinceau tellement elle est nulle avec mon jeu. Good enough. T'es juste là pour faire chier quoi, c'est vraiment ça. On n'a pas coloré la salopette. C'est littéralement un jeu de coloriage, oui. Mais un jeu de coloriage vraiment bien. C'est chez moi. Ah, faut croire que c'est plutôt spartiate. L'entretien de la tour a toujours été ma priorité numéro 1. C'est parti, les gens. Let's go. Mais je me demande si tu peux pas... C'est con qu'on puisse pas émuler deux souris. Ah, c'est très bien fait. Des carrés parfaits. C'est impressionnant. C'est vraiment très impressionnant. Lui, là, regarde. Toile numéro 4. C'était un des tableaux de Chicorée. Il faut croire qu'il s'est fait effacer lui aussi. La Camille des Beaux-Arts de Buffet est responsable de ces toiles. Gingembre. Pois. Ah, mais trop bien. Bien le bonjour, Chorizotto. Chicorée t'a donné le pinceau? As-tu trouvé son style? Ton style? Il y a tellement de façons de colorier. Bah moi, je sais comment je ferai. J'utiliserai Alt ou X ou LB. J'ai trouvé comment changer de couleur. Alt, c'est pour en plus petit. Et X. Oh, on peut effacer. Incroyable. Pour que mon pinceau devienne énorme. C'est de l'eau ici. C'est de l'eau, monsieur. Non! C'est de l'eau! Ah! Oh, comme ça, je pourrais tout colorier super vite. C'est indéniablement le meilleur style. Moi, j'utiliserais plutôt Alt pour rétrécir mon pinceau. Je pourrais prendre mon temps en ajoutant plein de petits détails. Non! T'as complètement tort! C'est n'importe quoi comme style. Tendrock, il a compris comment... Ah, il y avait un monsieur. Bonjour, Chorizotto, bonjour. Une astuce de jardinage, ça t'intéresse? Certaines fleurs ne poussent que si elles sont en couleur, et d'autres ne poussent qu'en restant blanches. Si tu souhaites effacer la couleur d'une fleur, tu peux l'utiliser clic droit. Wow. Oh bien. Ça ressemble à rien, ce jeu. Il veut pas se faire colorier, lui. Hein? Il veut pas se faire colorier, lui. Gars. Ah, c'était peut-être pour ça. Tu as retrouvé un enfant égaré. On n'a pas été en bas. On va peut-être nous expliquer comment changer de couleur pour moi, là. Ça me ferait plaisir.
Chicory a donc pensé que tu méritais le passo. Ah, les peintes ne sont vraiment plus aussi bons qu'avant. La belle époque de Myrti me manque. Hé hey. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête. Chicory est une peintre absolument géniale. Bon, à la limite, si on aime ce genre de choses. Mais Myrti vit plus au sud-est, au sein des bois du souper. Tu devrais aller faire sa connaissance. Oui! Ma maison n'a plus de couleur. Répare-moi ça! Oui! Capitaine! Merde, attendez, faut enlever la boule. Donne-moi des couleurs de costaud! T'as compris? Des couleurs de gros bonhomme! Et si tu savais pas déjà, tu peux changer de couleur avec la molette. Couleur de costaud, c'est le rouge, hein. Merde. Elles sont parfaites pour un gros dur, j'adore! Ça fait vraiment du bon boulot. C'était ignoble. Faut que je te dise merci. Tu as obtenu une casquette. Vas-y, colorie la casquette. Tant que moi j'aime les couleurs, merci encore. Pas vidé aussi précisément. C'est... Le pinceau, on peut pas le colorier? Ah non, du coup. Oh, merci beaucoup d'avoir repeint ma maison. C'est pas moi, c'est Dralok. Oh, mais ton approche n'est pas très équilibrée. Peux-tu rajouter cette couleur? Et effacer cette couleur? C'est vraiment le meilleur jeu. Pourquoi c'était Alt? Oh là! Mais t'as remis du jaune! Mais putain! Toutes ces couleurs sont équilibrées avec brio! Merci d'avoir répondu à mes attentes! C'est un travail de bonne facture! On a remis du jaune, mais bon. Oh, on dirait que tu peins avec quelqu'un! Créer en compagnie de quelqu'un, ça peut être sympa! Ça aide toujours à me détendre. Détendre vachement. Grosse détente là. Hein. Merde, comment on fait? Merde, j'ai perdu mon. Ah si, c'est bon. Ah ah! Tu peux rien faire contre ça, hein? Le super pouvoir de la souris! Ce numéro que j'ai mémorisé, c'est celui de mes parents. Je pourrais les appeler. Ils savent toujours m'aider quand je me perds et que je trouve pas la solution. Ils sont trop forts. C'est fermé. Et j'arrive. Ah, phew. Désolé, je suis un peu en retard aujourd'hui. Ah. Vous avez entendu ou pas? Il y a des supporters français qui respectent pas le coup de feu. Couvre-feu qui sont arrivés dans ma rue. Je ferais mieux d'appuyer sur entrer ou me changer. Attends. Ah, c'est moi qui contrôle ça? Ouais. On va y aller doucement. Crinière au vent, Osef. Bandana, c'est sympa. Casquette, c'est cool. Je pense qu'on va faire regarder la casquette. Est-ce qu'on peut la colorier? Oh. Mais quelle couleur? Mais jaune, nous. On n'a qu'à se mettre en violet. Shift, couleur modifiable. Couleur verrouillée. Trop bien. C'est beaucoup mieux! Allez, rentre donc! Rougette, avoine. La mode, c'est une manière de dire voilà qui je suis. Et au paroxysme de son art. Elle devient une façon d'affirmer « voilà comment est le monde ». Mais que nous dit le monde à cet instant précis? Un bonnet et un manteau à poche. Voilà la tenue que je veux voir. Tu peux me montrer, je te donnerai quelque chose de cool. On n'a pas de bonnet. Hein? Excuse-moi, je travaille. Va déranger quelqu'un d'autre. Alors, cher Risotto, quoi de neuf à la tour? Je vois que Chicory t'a prêté le pinceau. Tu sais, ça tombe bien. J'étais justement en train de me dire que notre t-shirt a besoin d'être refait. Ça te dit de nous créer un nouveau t-shirt?
Quelqu'un de nouveau peintre, l'FA, ça va emballer tout le monde. Fais comme tu veux. Oh mais non, t'as déjà tout gâché. Alors ça, c'est un t-shirt. Ouais. Pas dessiné. Alors, en vrai, faut dessiner à la souris chaque cadeau de tour, je pense. Moi, je propose un dessin... Non, mais... Tu fais quoi? C'est quoi? Non, mais... Grandis ton truc si tu veux le coumer. Moi, je propose ça. Bien non. T'as accès à la souris, hein. Tu peux la toucher. Tu fais la souris, tu vas bouger ma souris. Je pense que c'est parfait. Le visage caché de Lille entre fans de foot et voleurs de téléphone, nous allons plonger dans le quotidien des Lillois. C'est horrible. Qu'est-ce que t'as fait ? Exprès ! Ça a fait un gros splatch. Faut faire shift. Merde ! Stop ! Waouh, c'est génial! Je ne veux pas te laisser partir sans t'en donner un. Oh mais ouais, quel plaisir. Mon t-shirt trop cool là, les gens. Faut pas avancer là, c'est coincé. Bois du souper. Oh, c'est là-bas qu'habite Myrtille, une légende vivante, elle a précédé Chicorée. Peut-être qu'elle sait ce qui se passe. On va pas faire la suite, bien sûr, on va visiter toute la ville. Oh bonjour, Chorizotto. Toutes les couleurs ont disparu d'un coup, que se passe-t-il? Ça, c'est trop bien, ça. Et pourquoi portes-tu le pinceau de Chicorée? Il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond. Enfin bon, tu as le pinceau. C'est la maison qu'il faut colorier là. Pourrais-tu redonner des couleurs à ma maison? Fais-le comme bon te semble. Oh, merci, mais je suis désolé. Pourrais-tu effacer un petit peu? Tu peux utiliser clic droit. Ouais, je dirais qu'on arrêtait d'effacer. Elle veut qu'on efface tout. Arrête! Tu n'aides pas, monsieur. Oh, c'est bon! Merci! C'est pas comme jamais bien avant. Mais tu peux repeindre si tu veux. J'aimerais bien que tu choisisses des couleurs différentes. Ah, mais tu n'attends même pas avant d'avoir les demandes du client, merde! Moi, je pense qu'on va le laisser tout en jaune. C'est bon? Oh, tu as terminé alors? Ça va. C'est juste si différent de ce que Chicorée avait fait. Mais merci. Merci d'avoir pris le temps, j'apprécie. J'aime bien le fait qu'ils nous mettent dans la peau d'un stagiaire, comme ça, ça justifie le fait qu'on puisse pas faire de trucs objectivement beaux avec ce système-là, tu sais. Hé, Chorizotto! Ça serait pas le pinceau? Tu l'aurais pas volé? MDR, enfin bref. La base de la maison jaune. T'aimes bien ta maison? Fais comment de manier le pinceau? Je parie que c'est super cool. C'est super cool! Ah ouais, ça pourrait rendre vert de jalousie, ça. Tu peux l'essayer? Mazette. Bah, je l'ai donné au renard. C'est moi. Mais attends, mais il a fait une couleur qu'on n'a pas.
Ah, comme ma rouge, j'attends la suite avec impatience. Oh! T'as gâché mon dessin! T'as fait quoi, Dralok? Qu'est-ce que t'as encore fait? C'est toi? J'étais en train de lire le chat, c'est pour pas être moi. C'est pas gentil. Mais je l'avais amélioré! C'est toi le truc jaune moche là? Non, ça c'était avant. Bouge ta gâchette pour voir. Pourtant, c'était exactement la prolongation de ce trait parfait. Mais non, regarde. Sinon, ça serait passé par au-dessus. Genre comme ça. Étrange cette histoire. Et, attends, touche à rien. Oh merde. Il garde en mémoire. Au secours. Il garde en mémoire tous les trucs qu'on a fait. C'est ouf en vrai. Oh, on n'a pas coloré cette maison. Mawaru, on le fera un jour. Hein, mais... 50 pages, tu vois. Je pense que je vais faire un live spécial. Où à chaque fois que je perds, on lit une page de Mawaru, un truc du genre. Parce que sinon, on va jamais y arriver. J'attends aussi avec impatience. La dernière fois qu'on avait lu Mawaru, il y en avait une qui était morte et tout. C'était. C'est pas ouf, hein. On fera un truc genre Dark Souls, Bloodborne, un truc comme ça. Ah, mais c'est les plantes. Il faut peindre comme ça, elles s'en vont. Putain, il y a du vrai gameplay. La caverne Miam. On peut peut-être peindre en jaune. On a des nouvelles couleurs. On voit rien. Je pense que c'est une énigme. Oh, hé! T'aurais pas vu des ptios traîner dans le coin? J'ai perdu les miens de vue, ils sont partis je sais où. Pour la millième fois. Oh! C'est toi qui as retrouvé mon ptio? Merci beaucoup. C'est vrai qu'on l'a retrouvé sans faire exprès. Si t'en vois d'autres, renvoie-les ici. Je garderai un œil sur eux. Faut pas se dire bonjour, un de ces quatre. Les petits vont bien. Je vais pas les quitter les yeux, tu peux me croire. Mais je continue de me faire du mouron pour ceux qui sont toujours pas là. Il m'en manque encore trois. C'est canaille. Tu te rends bien compte que tu colories à l'extérieur là, non? Ouais, mais il y a tout coloré à l'intérieur. Voilà, comme ça, quand j'y rejouerai la prochaine fois, je vais être surpris ici. Nouvelle couleur. Oh, il y a du rouge! Il y a un animal là. Bah même on peut pas. Ah si on peut. Tu auras trouvé un enfant égaré. On peut aller à droite. Bah j'aime trop le jeu moi. Je savais que ça allait être trop bien. Comment on avance par là? On va aller en haut je suppose. Qui donnait l'enfant égaré. Il en manque toujours deux à l'appel. Je crois que la disparition des couleurs leur en fiche la trouille. Normalement, ils auront retrouvé leur chemin jusqu'ici, mais sans couleurs, faut croire qu'ils peuvent plus se repérer. Sans pitié, il n'arrivera à rien de grave. J'en ai trouvé un, connard. Ah, oh, mais il est là. Regarde, il est juste au-dessus. Où est-ce qu'on doit aller maintenant?
côté à droite. Y'a un truc là-dedans, là. Putain, bien joué. Merci. J'ai obtenu un bonnet. Ah mais oui, yes oui. Du coup on va pouvoir je voulais, aller. Je voulais même pas te faire avancer, je voulais juste te bloquer en fait. Raté. Tu m'auras pas. Chicorée, t'as-t-elle donné ce pinceau? Ouais. Bon, c'est encore pire que ce que je craignais. Tu ne m'as pas l'air prêt. J'espère avoir tort. Suis-moi. The fuck? Du coup, je peux vous dire maintenant la musique, vous savez qui l'a faite. C'est un connard! J'ai obtenu une robe à fleurs. Du coup, la personne qui a fait la musique, c'est Lena Raine. Vous connaissez Lena Raine? Si, je vous assure. Moi, je connais. Pour aller où? Ah bah merde, c'est toi là qui l'a bloqué avec ton pinceau de merde. Mais non, mais tu fais chier! J'ai pas grand chose d'autre à faire, laisse-moi m'amuser. Non mais arrête. Mais du coup il a encore colorié le truc. Ah, merde, qu'est-ce que j'ai fait? On va par là. Un ruban. C'est pas ce que je m'attendais. Il y a un truc en bas là, regarde. Tu as ramassé des ordures. Merde. Je suis parti tout à droite, au secours. Tu as retrouvé un enfant égaré. On a tout retrouvé. Ça, c'est une nouvelle couleur, ça, quoi. Il y a un cadeau en haut. Comment on fait pour aller là-haut? Ah merde. Ah merde, putain, je me suis fait bait. Cours. La caverne Miam. C'est la maison. C'est sa maison, mais on arrive avant elle. Merde. Voilà, c'est bien coloré ici encore une fois. C'est vraiment des bruits très agréables. Oh! Un peu peur les messieurs là. Pourquoi on est dans un jeu d'horreur? Tu es enfin arrivé.
Voilà ce que je souhaitais te montrer. Je n'ai jamais rien vu de tel. Mais si Chikoro estime que tu mérites le pinceau, il t'adviendra de faire face à ça. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-il advenu des couleurs de mon élève? Et où est-elle? Il ne devrait pas être ici. C'est une menace pour nous tous. Il faut que Chikoro vienne voir ceci. Oula! Qui aurait cru qu'il allait avoir un boss fight? Mais la musique elle est trop bien. Parce que moi je me disais les narines c'est... Voilà elle a... Il a fait l'OST mais ça a l'air d'être un jeu de chill. Pourquoi il y a un boss fight? Je me suis fait toucher. Mais t'as une barre de vie ou pas? Je sais pas. Ça j'en sais autant que toi hein. C'est tellement les narines la musique. Genre, j'aurais pas dû vous le dire, j'aurais dû vous le faire deviner. Ça se voit trop là, du coup, enfin, ça s'entend. Ah, c'est même dommage qu'on l'ait battu aussi vite, je voulais l'entendre plus la musique. Merde, on peut pas courir. Je sais pas ce que c'est ce geek, mais écoute, pourquoi pas. Terminer mode coop. Bah voilà, je pense que on a fait ce qu'il fallait faire pour le début de Chikoi. Je rappelle qu'on fait que les débuts hein, sur les découvertes. Je vous encourage de prendre le jeu, du coup. Et bah d'y aller quoi. Dommage qu'on ne puisse pas dessiner ici, c'est un peu frustrant, non? Peut-être qu'on n'a pas récupéré les couleurs. Mais tout ce que j'ai fait. Toi. Je pensais pas que je pouvais agir sur le truc.